Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. J'ai vécu ce que l'on appelle bon, le bon de Dieu, le bon de Dieu. Alors que je te connaissais comme bon, tu réservais pour ma vie ce que je croyais impossible. Comme Pierre, sur ta parole je marche sur les eaux, l'impossible devient réalité, je vis le plus que bon. Le très bon de Dieu. Je vis le très bon de Dieu. Le très bon de Dieu. Je vis le très bon de Dieu. On y va, le très bon de Dieu. Le très bon de Dieu. Je vis le très bon de Dieu. Le très bon de Dieu. Le très bon de Dieu. Je vis le très bon de Dieu. Je vis sans très bon. Je vis sans très bon. Donner d'expérimenter ce à quoi je ne m'y attendais pas. Tu as étendu toutes mes limites. Je réalise le plus que Le très bon de Dieu.
divinement. Divinement. Yahweh m'établit. Il m'établit. Jéhovah t'établit. Il m'établit. Divinement. Divinement. Yes. Divinement. Et oui. Dieu t'établit. Dieu t'établit dans la richesse. Il t'établit. Dans la victoire pour il régner m'établit. Sur le Dieu t'établit dans le mariage pour régner sur le célibat. Dieu t'établit dans la foule. Que Dieu t'établit. Dieu t'établit dans ta famille. Dieu t'établit dans ton entreprise. Dieu t'établit dans tes projets. Dieu t'établit dans la fécondité. Dieu t'établit dans la richesse. Dieu t'établit dans le succès. Dieu t'établit dans la prospérité. L'Éternel t'établit ce matin. Déclare encore que Dieu t'établit. Déclare que Dieu t'établit. Proclame que Dieu t'établit. Confesse que Dieu t'établit. Yes. Divinement. Le 31 décembre, Dieu a parlé de la bouche de son serviteur. Dieu a dit que pour cette année, il a fait de nous ses collaborateurs. Ça veut dire qu'en 2019, c'est à toi de déclarer ce qu'elle sera. Ça veut dire qu'en 2019, c'est à toi de proclamer ce que tu veux voir. Personne ne parlera à ta place. Tu dois ouvrir ta bouche et dire, 2019, tu es mienne. 2019, je te déclare une année de succès, une année de prospérité, une année de consécration, une année de sanctification, une année d'élevation, une année de réussite dans mes études, dans ma famille, dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Tu m'établis pour régner sur les nations, pour régner dans ma famille, pour régner. Alléluia. Commence à prier. Pendant que nous chantons, que nous sommes établis. Alors commence à prier. Commence à déclarer. Commence à décréter. Ce culte est ton culte spécial. C'est le premier culte de l'année. Ce que tu vas décider aujourd'hui va s'accomplir. Ce que tu vas arrêter, le ciel va l'arrêter. Alors pendant que nous chantons, décrète, décrète, déclare. Les domaines dans lesquels tu as besoin que Dieu t'établisse, dis-le ce matin. Dis-le ce matin. Établis-moi dans tel domaine. Établis-moi divinement dans tel domaine. Dis-le au Seigneur maintenant. Tu m'établis divinement, Seigneur. Dis-le au Seigneur maintenant. Que je mène une vie. Décrète. Déclare. Parle. Établis divinement, Seigneur, pour que je mène une vie de consécration. Merci, Seigneur. Tu m'établis divinement, Seigneur, pour que je mène une vie de sainteté, pour régner sur l'impureté, pour régner sur l'impudicité, pour régner sur tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tu m'établis divinement, Seigneur, pour proclamer ta parole, pour proclamer ton évangile, pour proclamer tes bienfaits. Tu m'établis divinement, Seigneur, pour que je marche sur les nations, pour que je parle de toi. Tu m'établis divinement, Seigneur, pour que je brille, pour que je sois une étoile. Tu m'établis divinement, Seigneur, dans ce que je fais. Dans mes entreprises, tu m'établis. Dans mes projets, tu m'établis. Dans mes études, tu m'établis. Dans mon ministère, tu m'établis. Dans mon appel, tu m'établis. Partout où je fous la plante de mes pieds, tu m'établis. Parce Alléluia. Que tu m'as consacré. Yes. Parce que tu m'as ouinte. Parce que Jésus. Seigneur, tu me remplis de toi. Parle au Seigneur maintenant. Tu m'établis divinement pour briser, pour briser, pour briser.
pour briser tout ce qui n'est pas de toi. Tu m'établis, Seigneur, pour être une lumière dans les ténèbres. Tu m'établis, Seigneur, pour être une prophétesse là où quelqu'un se questionnait. Au nom de Jésus. Tu m'établis, Seigneur, pour marcher, Seigneur, notre Dieu, sur la terre de mes ennemis. Tu m'établis, Seigneur. Oui. Tu me oins des dons spirituels, Seigneur. Tu me remplis du fruit de l'Esprit. Tu me remplis de toi, Père. Tu me remplis de toi, Père. Tu me remplis de toi, Père. Seigneur, je viens encore me consacrer à toi ce matin. Seigneur, je ne resterai pas hors de la vision. Cette vision est mienne au nom de Jésus. Tout ce que mes mains touchent prospère parce que tu m'établis. Tout ce que ma bouche déclare se concrétise parce que tu m'établis. Alléluia. Tout ce que mon cœur dit se réalise parce que tu m'établis. Tu m'établis, Seigneur. Tu m'établis, Père. Tu m'établis, Jésus. Le très bon. Le très bon Dieu. Le très bon Dieu. 2019. Dans ma santé, je vis. Je suis plongé. Dans le très bon de Dieu. Dans mon ministère, très bon de Yahvé. Je vis. Le très bon de Dieu. Le très bon Dieu. Très bon. Bethel, nous vivons. Très bon. Merci, Seigneur. Dans mon Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut apprécier la sœur et acclamer Jésus? Merci. Merci. Voilà, être prophétique, c'est être sensible à l'Esprit. C'est être sensible au Saint-Esprit. C'est avoir la capacité de capter la vision et de courir avec. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne reste pas timide. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un culte spécial. C'est le premier culte de l'année, c'est le premier dimanche de l'année. Et c'est un dimanche de décret. C'est un dimanche prophétique. Ce que tu vas déclarer ce matin va te poursuivre, va se réaliser tout au long de l'année. Ne sois pas timide. Il faut parler. Quand il faut parler, ouvre ta bouche et parle à l'année. Parle à l'année. Parle à ta vie. Parle aux choses. Parle aux situations. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Il l'amène dans une vallée où rien ne va, rien ne marche, comme un peu en Afrique. Mais il dit, parle et les choses vont changer. Aujourd'hui, Dieu cherche un peuple prophétique qui peut parler aux états, qui peut parler aux choses, aux nations, aux entreprises en faillite, qui peut parler, sortir de sa bouche une parole prophétique, un décret céleste, un décret céleste. Ossements desséchés. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Parle à cette chose ce matin. Tu as la solution. Dieu te donne le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et je vous donne ce pouvoir-là. A dit Jésus avant de partir. Il nous laisse le pouvoir. Il est allé jusqu'à dire, vous ferez de plus grandes choses que moi. Alléluia. Alors le secret, c'est ce que tu sors de ta bouche.
Quand tu te lèves le matin, tu dis, les choses vont marcher, elles vont marcher. Alléluia. Parle, et les ossements desséchés vont recevoir la vie. Et j'aurai une grande armée. Alléluia. C'est pourquoi, sois pas timide ce matin. Quand c'est le moment de parler arrive, lève-toi et parle. Quand la sœur chante très très bon, saisis la vision. Parle, identifie qu'est-ce qui ne marche pas bien dans ta vie. Parle à la chose pour que le très 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 bon de Dieu s'attache à cela. Alléluia. Et que tu vives le très 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 bon de Dieu. Alléluia. Dieu ne s'est pas contenté de dire bon. Il a ajouté très bon. Alléluia. Je suis établi, tu es établi. Divinement, pas humainement. Parce que si les hommes t'établissent, demain ils vont encore enlever, ils vont te... Mais si c'est Dieu qui t'établit, personne ne peut te rétrograder. Personne ne peut te rétrograder. Alléluia. Et cette année 2019 est l'année où nous sommes divinement établis. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles maintenant. Nous sommes dans Josué chapitre 4. C'est un message qu'on a déjà commencé. On va le terminer ce matin. Nous sommes dans Josué chapitre 4, verset 18. La Bible dit, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du Jourdain. Je vous dirai à quelqu'un ce matin, transporte la présence de Dieu en 2019. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes à la saison, au temps du sacerdoce universel. À l'époque, il n'y avait qu'une seule tribu qui était sacrificateur et qui pouvait porter l'arche de l'alliance. Mais tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu peux aujourd'hui porter l'arche de l'alliance. Tu peux porter, tu peux transporter la présence de Dieu partout. En tout lieu et en tout temps. Quelle grâce. Lorsque les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance, furent sortis du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que la plante de ton pied, en 2019, se posera sur la terre promise, sur ta terre promise. La plante de ton pied, la plante de mon pied se posera cette année sur mon Cana. Alléluia. Parce que j'ai fait la traversée avant-hier, alors aujourd'hui, j'inaugure le temps où la plante de mon pied se posera sur ma terre promise, sur mon Cana, sur la réalisation de mes promesses. Si en 2018, tu courais encore parce que tu étais en conquête derrière les promesses que Dieu t'a faites, laisse-moi te dire, avec l'établissement divin, ton pied, mon pied, nos pieds se poseront sur notre terre promise, sur notre Cana, sur la terre de nos ennemis, sur le territoire de nos ennemis. Si tu dis amen, cela s'attache à toi ce matin. Au nom de Jésus. Ce culte est un culte de déclaration. Un culte prophétique. Un culte de décret. Je vous l'ai dit, de la même manière que les pieds des enfants d'Israël se sont posés sur leur Cana, sur leur terre promise, nos pieds se poseront sur nos promis, nos terres promises, au nom de... La Bible dit, les eaux du Jourdain se retournèrent à leur place.
après que les enfants d'Israël ont traversé ce qui était un obstacle. Ah, je veux parler à quelqu'un ce matin. Ce qui était pour toi un obstacle en 2018, identifie-le. Ce qui était pour toi une barrière en 2018, identifie-le. Ce qui était pour toi une limitation en 2018, identifie-le. Parce qu'en 2019, cela sera pour toi une sécurité. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont fini de traverser, derrière eux, le Jourdain, les eaux se sont refermées pour les servir de sécurité. Lorsque Moïse et les enfants d'Israël ont fini de traverser la mer Rouge, Pharaon et son armée les poursuivaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pour nous, enfants prophétiques, pour nous, enfants de Dieu, hommes et femmes de révélation, ce qui constituait pour nous un obstacle, Dieu le transforme en une muraille de sécurité. La Bible dit, quand les enfants d'Israël ont fini de traverser, la mer Rouge s'est refermée. Sur qui? Sur Pharaon et sur son armée. Je déclare ce matin, tout ennemi qui te poursuivait en 2018, toute limitation qui te bloquait en 2018, toute maladie qui te fatiguait en 2018 sera engloutie, parce que les eaux arrivent, les eaux se ferment derrière toi, les eaux se ferment au nom de Jésus. Je le déclare ce matin sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets, sur tes entreprises, tout ce qui bloquait ta famille, tout ce qui fatiguait ta famille, les querelles, la zizanie, la sorcellerie, les eaux du Jourdain se referment, les eaux de la mer Rouge se referment au nom de Jésus. Derrière toi, je le déclare ce matin, pas devant toi. Devant toi, c'est l'ouverture. Devant toi, c'est la traversée. Devant toi, c'est le miracle. Devant toi, c'est les signes. Devant toi, c'est le prodige. Devant toi, c'est la terre promise. Devant toi, c'est l'accomplissement des prodiges. Mais derrière toi, c'est la mort de tes ennemis. Derrière toi, les eaux se referment. Une ligne, un mur de sécurité est dressé derrière toi pour sécuriser ta vie, ta famille, tes projets. Je le déclare ce matin. Dis, lève-toi et dis amen plus fort, amen très fort. Je le reçois. Ce culte est un culte de décret. Un culte pas comme les autres. Je ne compte pas prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher. Ah non. Je ne compte pas prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher. Car le Dieu de la Bible que je sers n'est pas un Dieu de routine qui fait les mêmes choses tous les jours. Il n'y a pas de liturgie. Il n'y a pas de liturgie humaine. Il y a la liturgie du ciel, la liturgie divine. Je m'accroche et je m'attache à la liturgie du ciel. Au nom de Jésus. La Bible déclare, et je veux le déclarer sur ta vie ce matin. Je le déclare sur ta vie ce matin. Dis amen. Je le déclare sur ta vie ce matin. Et amen. Car tout ce qui te poursuivait sera englouti ce matin. Cela ne va pas continuer à te poursuivre en 2019. Au nom de Jésus, l'échec qui te poursuivait va arrêter sa course engloutie par les eaux. Au nom de Jésus, la maladie qui te poursuivait, les sorciers qui te poursuivaient seront engloutis ce matin. Au nom de Jésus, le chômage qui te poursuivait sera arrêté, englouti. Au nom de Jésus,
Le célibat qui te poursuivait sera arrêté et englouti au nom de Jésus. L'estérilité qui t'arrêtait, qui te poursuivait, sera arrêtée et engloutie au nom de Jésus. Et toi, tu poseras ton pied sur ta terre promise, sur ton canal. Lève ton pied et dis, je le poserai sur la terre promise. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 19, il est dit, le peuple sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. 10e jour du premier mois. Nous sommes au premier mois. Nous sommes au mois de janvier. Nous sommes au premier culte. Culte au premier dimanche. Au premier dimanche. Ce jour, ce culte, premier culte de l'année, est prophétique parce qu'il nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. Dis à quelqu'un, ce culte nous amène quelque part. Ce message nous amène quelque part. Il y a des choses à recommencer maintenant. La Bible nous dit que le peuple sortit du Jourdain et puis il campa. Où? Dis à ton voisin Gilgal. Gilgal. Le premier campement des enfants d'Israël. Gilgal. Un sanctuaire de Dieu. Gilgal. Là où Dieu est présent. Là où Dieu vient rencontrer ce peuple victorieux. Ce peuple conquérant. C'est à Gilgal. Dis à ton voisin, prépare-toi. Toi et moi, nous allons camper à Gilgal. Gilgal, nous allons camper à Gilgal. Gilgal, la petite Josué dressa à Gilgal 12 pierres. Nous avons vu pendant le 31 que quand Israël était dans le Jourdain, Josué a dressé un monument, 12 pierres, qu'il a dressé au milieu du Jourdain. Mais quand ils sortent du Jourdain, les sacrificateurs qui transportaient les pierres, et depuis le 31, chacun de nous a sa pierre sur son épaule. Vérifie que ta pierre reste toujours sur ton épaule. Hein? Il faut bien vérifier. Parce que chacun doit avoir sa pierre sur son épaule. Il ne faut jamais l'enlever. Parce que la pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient la maison a fini par devenir la principale de l'angle. Et je comprends pourquoi, de manière prophétique, lorsque Jésus rencontre Simon, il lui dit, Simon, ton nom ne sera plus Simon. Alléluia, je le change. Ce matin, Dieu va changer la destinée de quelqu'un, l'image de quelqu'un. Parce qu'il faudrait que ton image, tes paroles, tes actions soient conformes à l'établissement divin. Jésus dit à Pierre, ton nom ne sera plus Simon, mais Pierre. Car je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévoudront point contre elle. Alléluia. Alors tu as vérifié si ta pierre est toujours sur ton épaule. Alors Gilgal peut être une réalité. Bienvenue à Gilgal si tu as ta pierre sur ton épaule. Dis à ton voisin, si tu as ta pierre sur ton épaule, alors bienvenue à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, quelque chose va se passer. Prenez place. Nous allons lire un deuxième passage et un troisième. Et on va essayer de prêcher, mais on va se mettre en couple après. Et à tout moment, quand tu sens que cette parole est pour toi, lève-toi et saisis-la. Chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, lorsque Josué arrive à Gilgal, lorsqu'on arrive à Gilgal, il y a des choses qui se passent. Car Gilgal, c'est le premier niveau de mon établissement divin.
C'est de cela que je ne voudrais pas. C'est le thème que j'ai essayé de donner à mon message ce matin. Quand bien même que les messages prophétiques n'ont pas de sujet, n'ont pas de thème, vous ne pouvez pas les situer parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses. Et j'aime dire, je préfère le désordre de Dieu que l'ordre que les hommes ont établi. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre d'Égypte. Écoutez-moi bien. Moïse a sorti Israël d'Égypte. Pendant 40 ans, Moïse a dirigé l'Égypte, les enfants d'Israël, dans le désert. 40 ans, Dieu n'a pas dit ses paroles. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu n'a pas dit ses paroles. Dieu les a laissés encore avec l'opprobre d'Égypte, la honte d'Égypte, les maladies d'Égypte, les inquiétudes des Égyptiens, la culture égyptienne, la mentalité égyptienne. Mais lorsqu'ils arrivent à Gilgal, le premier campement de leur établissement divin, de leur établissement en terre promise, lorsqu'ils ont foulé le sol cananéen, Dieu ouvre sa bouche et il dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, la honte de l'esclavage, la mentalité égyptienne. Vous savez, même dans le désert, quand bien même que la manne tombait à terre, ils se souvenaient toujours et réclamaient les concombres d'Égypte. Parce qu'ils avaient encore la mentalité égyptienne. Ils tenaient toujours le langage des esclaves. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence dans l'église africaine. Je m'adresse à l'église africaine. Je sais que l'Afrique a trop souffert. Je sais que l'Afrique a vécu l'esclavage, l'humiliation. L'Afrique a été dépouillée de ses hommes et femmes vaillantes, de ses ressources. Mais au nom de Jésus, alors que nous célébrons l'établissement divin, je prie et j'exige et je décrète que Dieu roule cette opprobre en Afrique au nom de Jésus. Et que nous, Africains, nous changions de mentalité. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec la mentalité égyptienne. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu avec les raisonnements égyptiens. Nous ne pouvons pas être israéliens avec une mentalité égyptienne. Sinon, on devient un monstre. Quand vous entendez certains Africains parler, vous vous posez la question. Qui parle avec vous? Vous demandez, quand vous le voyez, il est noir, tu dis s'il est africain. Quand il parle, tu as l'impression qu'il est français. Il commence à... Ça vous dit quoi ça? Tu deviens un monstre. On ne sait pas qui tu es. Les valeurs que nous avons ici en Afrique, tu les mets dehors, tu les mets derrière toi. Ce n'est pas possible. Dieu dit, arrivé à Gilgal, l'opprobre est roulé au nom de Jésus. Nous allons y arriver encore sur ces détails-là. Et c'est pour cela que la mentalité a été changée. La façon de parler a été changée. Ce lieu porta le nom de Gilgal jusqu'en ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et nous voulons camper à Gilgal. Et célébrer la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent le blé du pays le lendemain de la Pâque. Je déclare ce matin que tu vas manger le blé de ton pays. Aucun étranger ne mangera plus le blé de ton pays. Je le déclare sur nos nations. Je le déclare sur l'Afrique tout entière. Aucun pays étranger
ne mangera plus notre pétrole, notre uranium, notre arachide, notre café, notre cacao. Au nom de Jésus, tu vas manger le blé de ton pays promis. Car le blé de ton pays, c'est pour toi. Dieu ne nous a pas créés. Et il n'a pas fait de nous des Africains pour que les ressources de nos pays soient exploitées et amenées ailleurs. L'Église a une voix, l'Afrique a une voix prophétique. Et cette voix prophétique, c'est la voix de l'Église. C'est pourquoi si l'Église se tait, aucune organisation ne va parler. Aucune organisation n'a la légitimité que l'Église africaine a pour parler, pour défendre les intérêts de l'Afrique. Ni l'ONU, ni l'Union africaine ne sait de quoi il s'agit réellement. Parce que les choses ne sont pas naturelles et ordinaires seulement. Les choses sont aussi spirituelles. Et le monde matériel est influencé par le monde immatériel, le monde invisible. Et notre Dieu est le maître des choses invisibles. C'est pourquoi il appelle ce qui n'existe pas, l'invisible, à l'existence, à se matérialiser. C'est pourquoi l'Église est la voix autorisée de l'Afrique. L'Église est la voix prophétique de l'Afrique. L'Église est la seule organisation capable de résoudre les problèmes africains dans le fond et dans la forme. Les autres organisations règlent le problème dans la forme, mais ils ne règlent pas le fond. Le fond, parce que le fond est spirituel. Le fond est invisible. Et cette année sera pour nous une année de déclaration, de décret, pas seulement pour nos vies, nos familles, nos entreprises, mais pour nos pays, pour nos nations, pour nos peuples et pour l'Afrique tout entière. J'aime, parce que la Bible dit, Dieu, la Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique, mais il a dit Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il n'a pas dit l'Église, il a dit le monde. Dieu, quand il s'adresse au Sénégal, il ne parle pas à l'Église sénégalaise seulement, mais il parle à toute la nation. Il dit, demande-moi les nations. Il n'a pas dit, demande-moi les églises des pays ou les dénominations. Il dit, les nations. Je t'établis, dit à Jérémie, je t'établis sur les nations. Tu auras la domination, tu auras l'influence, tu auras la légitimité, tu auras le pouvoir sur les nations. Pas dans les nations, mais sur les nations. L'Église est la voix autorisée de Dieu. Et cette année, il y aura des grands changements. Partout en Afrique, il y aura des grands changements et des changements positifs. Partout dans nos nations, les choses s'accompliront et vous vous souviendrez de ce culte. Je sais qu'on dit des choses, certaines choses, il y en a qui croient facilement, d'autres croient difficilement et d'autres ne croient même pas. Il y a une autre catégorie qui est sceptique, qui ne croit même pas. Mais les choses s'accompliront quand même. Et vous vous rendrez à l'évidence que cela a été dit lors du premier culte de l'année à l'église Bethel de Dakar. Cela a été proclamé là-bas qu'il y aurait dans nos nations des grands changements. Et les changements qui vont se produire en 2019 au sein de nos nations africaines va engendrer un chamboulement, un grand changement dans le monde entier. Car beaucoup de nations vivent de l'Afrique. Beaucoup de nations trouvent à manger en Afrique. Et cela va cesser. Parce que Dieu nous établira. Et il nous établit maintenant.
Il établit nos pays, nos nations. Priez pour la RDC. Quelque chose se prépare. Priez beaucoup. Je n'ai pas dit parler de la RDC, mais priez. Priez. Parce que les chrétiens ne parlent plus qu'ils ne prient. On fait des commentaires. RFI le fait mieux que nous. Donc arrêtons de le faire. Priez. C'est ce que RFI ne fait pas. Priez. C'est ce que les Nations Unies ne font pas. Priez. C'est ce que les ONG ne font pas. Priez. C'est ce que les États ne font pas. Parler de ça. Parler de choses qui ne marchent pas. C'est ce que tout le monde fait. Ce matin, au nom de Jésus, tu sors de ce que tout le monde fait. Car tu n'es pas parmi tout le monde. Tu es un peuple à part. Un peuple de distinction. Alors prie. Priez pour ce pays. Ce seul pays pour nourrir toute l'Afrique. Tout le monde est d'accord que c'est le grenier de l'Afrique. Alors, pourquoi pas ne pas sécuriser ce pays? Ne pas concentrer nos forces, nos missiles orientés pour défendre, pour sécuriser et pour que ce pays se redresse et qu'il tire toute l'Afrique vers le développement. Pourquoi pas? L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Pour ceux qui suivent les informations, vous savez que quelque chose se prépare. Et hier, je parlais avec un pasteur. Et il me disait, celui qui est, qu'on pense qu'il peut prendre le pays, il est en pole position. C'est un chrétien. Et un chrétien d'où? D'une église avec qui nous avons une alliance. Philadelphie. Il est de Philadelphie. Et vous savez ce qu'il lit peut-être à Philadelphie? Le pasteur de Philadelphie qui est venu inaugurer ce temple-là. Alléluia. Alors quelque chose dans le monde spirituel est en train de se passer. Et si toutes les églises de Dakar ne prient pas pour ça, Bethel a l'obligation de prier pour que la situation change. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Je le répète encore. Dieu dit à Ézéchiel, parle. Prophétise, décrète, déclare. Et les ossements desséchés se sont relevés. Et c'était une armée capable de libérer le monde entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez. Que l'église prie. Que l'église prie beaucoup. Dernier passage que nous allons lire. Allons dans 2 Rois, chapitre 2. De Rois chapitre 2, il est dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, je déclare au nom de Jésus que Dieu fera monter l'Afrique. Le Dieu qui a fait monter Élie est capable de relever l'Afrique et de le faire monter au rang des grandes nations de la terre. Non, tu ne crois pas ça. Tu allais crier plus fort que ça. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, oh, je prie ce matin qu'un tourbillon te soit envoyé maintenant au nom de Jésus. J'ai envie de dire à Dieu, oh Dieu, envoie un tourbillon chercher l'Afrique. Envoie un tourbillon qui va amener l'Afrique dans les hauteurs. Je veux dire à quelqu'un, il y a un tourbillon pour toi ce matin. Il y a un tourbillon que le ciel a dépêché. A dépêché pour ton établissement divin illimité. Il a dépêché, pas un jet. Pas un avion de guerre, pas une 8-8, pas une 4-4. Il a dépêché plus qu'un jet, plus qu'un avion, plus qu'une 8-8. Pour ton établissement divin illimité, le ciel te dépêche en tourbillon. Bien aimé, voyez des gens, ils se convertissent aujourd'hui.
demain il commence à évangéliser et à faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Ils ont reçu un tourbillon. Leur montée est rapide. Vous vous demandez, mais si hier seulement il s'est converti. Mais aujourd'hui, il prêche déjà. Il connaît la Bible. Il a les dons spirituels. Il parle la langue. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il est converti hier. Yeah! Dieu l'a dépêché. Il a identifié cet homme, cette femme a identifié son tourbillon. Je vais demander à quelqu'un ce matin d'identifier son tourbillon. Parce que c'est ça qui va donner de la vitesse. De la vitesse à tout ce que tu fais. Et les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Les disciples de Jésus, les gens étaient étonnés. Les premiers chrétiens, les gens étaient étonnés. Paul, Saul de Tarse, les gens étaient étonnés de lui. Celui qui persécutait l'église hier, aujourd'hui prêche l'évangile. Les gens étaient étonnés. Certains se demandaient la question, est-ce véritablement lui? Je suis venu décréter une ère nouvelle. Un commencement nouveau dans ta vie. Je suis venu déclarer que, étant donné que tu es à Gilgal, ce matin, un tourbillon céleste, un tourbillon divin, t'a été envoyé au nom de Jésus. Ce tourbillon va donner de la vitesse à ta connaissance biblique, de la vitesse à ta vie spirituelle, de la vitesse à la manifestation des charismes, des dons, de la vitesse à la manifestation des talents, de la vitesse à ta vie de sanctification. Il va donner de la vitesse. Et oui, laissez-moi vous dire, les choses que les gens disaient qu'il ne peut jamais l'abandonner. Ah, lui là, il ne peut jamais arrêter de fumer. Non, lui, il est lié avec l'alcool. Avec l'alcool jusqu'à la mort. Mais quand tu rencontres le tourbillon divin, hey, tu rencontres le tourbillon divin, il t'éloigne de la terre, du bas. Alléluia. On ne te cherche plus en bas, on te cherche en haut. Et ceux qui te cherchent, quand ils te parlent, ils lèvent la tête parce que tu es dans les hauteurs. Et ils sont obligés de reconnaître que tu es leur père. Laissez-moi vous dire, Élisée n'avait jamais appelé jusqu'ici Élie père. Il appelait son maître. Son maître. Mais ce jour, quand Dieu a envoyé le tourbillon divin à Élie, et que Élisée a vu Élie en train de monter, il a appelé père. Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Je suis venu déclarer cela sur ta vie aujourd'hui. Tu seras père de quelque chose. Tu seras père de quelqu'un. Ceux qui ne reconnaissent pas ta paternité, le fait de ta supériorité, le fait que tu sois père, ils le reconnaîtront quand le tourbillon céleste viendra te chercher. Alléluia. Quand le tourbillon céleste viendra te chercher. La Bible dit, Élie montait dans un tourbillon. J'aimerais mettre le nom de chacun de vous ce matin en remplacement du nom Élie. Mais je ne le peux parce que vous êtes nombreux. Mais c'est le désir de mon âme qu'un tourbillon vienne vous chercher. Je ne sais pas là où vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Certains sont dans une maladie chronique. D'autres sont dans une maladie où les médecins pensent qu'il n'y a plus rien à faire. D'autres sont dans l'échec, plongés dans un échec répétitif. Rien ne marche. D'autres sont plongés dans un péché qui ne fait que les tirer vers le bas. Quand tu dis je l'abandonne, ensuite le lendemain tu le refais. Et tu es misérable. Et tu veux sortir de là. Parce que tu sens que tu es comme dans une vallée ou dans un trou. Mais laisse-moi te dire ce matin, même si tu es dans un trou de 100 000 mètres, le tourbillon céleste est capable de te sortir de là. Je déclare ce matin, si 2018 a été une année
où tu as été comme là dans un trou, le trou de l'impudicité, le trou du péché, le trou de la haine, le trou de la sorcellerie, le tourbillon céleste arrive maintenant. Non, tu n'as pas dit amen. Le tourbillon céleste arrive. Le tourbillon céleste est en route. Il vient me chercher. Il vient te chercher. Il vient chercher ta famille. Alléluia. Pour l'amener dans les hauteurs. Parce que c'est là, la Bible nous dit, nous sommes des aigles. Et les aigles, ils volent dans les hauteurs. Alléluia. Et il est dit, Élie partait d'où? Élie partait d'où? Quand le tourbillon est venu le chercher, son point de départ, c'est où? Gilgal. Dis à ton voisin Gilgal. Ne néglige pas Gilgal. Il y a des mystères à Gilgal. Ne contourne pas Gilgal. Passe par Gilgal. Ne va même pas à Bethel sans passer par Gilgal. Quand Élie doit monter au ciel, point de départ, c'est Gilgal. Deuxième étape, c'est Bethel. Troisième étape, c'est Jéricho, avant d'atteindre le Jourdain. Et j'ai envie de dire à tous les chrétiens de Bethel ce matin, vous ne pouvez même pas être des bons membres de Bethel si vous n'êtes pas passé par Gilgal. Vous ne pouvez pas être des bons intercesseurs si vous n'êtes pas passé par Gilgal. Vous ne pouvez pas être des bons jeunes dans une église, une jeunesse véritable, ouin, remplie du Saint-Esprit et qui fait peur au diable si vous n'êtes pas passé par Gilgal. Vous ne pouvez pas être un bon Jack ou un bon ancien si vous n'êtes pas passé par Gilgal. Vous ne pouvez pas être un bon musicien ici à Bethel, un bon chanteur ici à Bethel, un bon choriste ici à Bethel si vous n'êtes pas passé par Gilgal. Quand Élie doit aller, Élie doit monter, un tourbillon doit venir chercher Élie. Élie est d'abord parti de Gilgal. Quand Israël sort du Jourdain pour conquérir, pour s'étendre, pour être établi sur sa terre promise, les enfants d'Israël ont campé d'abord à Gilgal. Oh, je veux dire à quelqu'un, bienvenue à Gilgal. Vérifie si ton frère est passé par Gilgal. Parce que c'est ce qui s'explique qu'il est timide ce matin. Bouscule-le. Dis frère ou soeur, es-tu passé par Gilgal? Oh, je rêve que les chantres quittent Gilgal le matin avant d'arriver à Bethel. Qu'il quitte Gilgal avant d'arriver à Bethel. Que les musiciens sortent de Gilgal avant d'arriver à Bethel. Alléluia. Que les musiciens se réveillent à Gilgal. Ils transforment leur chambre en Gilgal. Leur maison en Gilgal. Ils sortent Gilgal, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu circoncit. C'est là où Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui ne le glorifie pas. C'est le lieu de la circoncision. Gilgal, c'est là où Dieu circoncit le cœur. Avec les enfants d'Israël, c'était la circoncision physique. La circoncision de la chair. Mais avec nous, nous qui sommes de la nouvelle alliance, Gilgal, c'est la circoncision du cœur. Et si tu n'es pas circoncis du cœur et tu viens chanter à Bethel, ça ne marchera pas. Il n'y aura aucune onction. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas passé par Gilgal pour qu'à la circoncision de ton cœur, tu vas diviser le groupe de louanges. Ce sont ces gens qui divisent le groupe de louanges, qui divisent la chorale. Ils amènent un feu étranger. Quand vous dites A, ils disent B. Parce que leur cœur n'est pas circoncis. Il y a toujours la haine dans le cœur.
ils chantent, ils parlent la langue, mais il y a toujours la jalousie dans le cœur. Pourquoi c'est divine et pas moi? Pourquoi c'est Esplaneur qui a chanté l'établissement divin illimité et pas moi? Certains même vont aller même rencontrer Dieu pour lui dire, je suis fâché. Même leur jalousie là, ils ne le cachent pas à Dieu. Hey! Ils sont terribles, hein? Ils ne le cachent pas à Dieu. Seigneur, mais aujourd'hui là, les gens ont acclamé Esplendeur. Pourquoi pas moi? Pourquoi tu ne m'as pas révélé le chant là? Pourquoi c'est Esplendeur que tu as donné ce chant? Si tu parles comme ça, tu penses comme ça, tu n'es pas circoncis de cœur, tu n'es pas passé par Gilgal. Je t'invite ce matin à passer par Gilgal. Impossible d'aller dans la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, la porte des cieux. Si tu n'es pas passé par Gilgal pour qu'à ta circoncision. Gilgal, c'est le lieu où Dieu circoncile le cœur. Gilgal, c'est le lieu où Dieu roule l'opprobre. Le péché qui s'était attaché à toi. Dieu roule ça. Il règle les problèmes. Gilgal, tu deviens une nouvelle personne. C'est un nouveau départ. Gilgal, c'est un nouveau départ. Bien-aimé, si dans ta marche avec Dieu, à un moment donné, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne cloche pas, retourne à Gilgal. Retourne à Gilgal, régler ça. Retourne à Gilgal. Dans la présence de Dieu, dis à Dieu, j'ai un problème avec mon cœur. J'ai un problème de caractère. Parce que quel que soit ton niveau d'onction, si tu n'as pas réglé le problème avec ton caractère là, qui est lié à ton cœur, l'onction là va te tuer. L'onction fait deux choses. L'onction donne la vie et l'onction tue. Maintenant, nous sommes dans une génération où tout le monde cherche l'onction. Et beaucoup sont morts de leur onction. Parce qu'ils ne sont pas passés par Gilgal, ils n'ont pas été circoncis du cœur, ils sont toujours jaloux, ils sont toujours méchants, ils critiquent toujours tout le monde, ils parlent mal, ils insultent, ils ont un mauvais caractère et ils ont reçu l'onction. Ce qui est arrivé à Samson, il est allé chercher l'onction sans avoir la circoncision du cœur, sans passer par Gilgal. Et l'onction a tué Samson. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Au lieu de chercher l'onction, retourne à Gilgal d'abord. L'onction est très bon. Je crois à l'onction. Je suis loin de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Sans onction, le diable m'écraserait depuis très longtemps. Quand j'ai quitté l'islam, les démons de l'islam allaient me découper en petits morceaux là. Mais ils n'ont pas pu. L'onction sur ma vie m'a protégé et m'a gardé. L'onction, ce n'est pas le parler simplement, mais c'est des actes que tu poses. Pour savoir si quelqu'un a l'onction ou pas, poursuis son passage, son trajet, là où il est passé. Va voir ce qu'il a réalisé là-bas. Tu verras que cet homme a l'onction. Mais nous sommes dans un monde où l'onction, c'est seulement quand tu sais dire rabababababab, on dit il y a l'onction. Non! Rabababab, même les démons disent rabababab. Moi, je dis, Paul a dit, je parle en langue plus que tout le monde. Toutes mes prières, c'est le parler en langue. Je le crois et je le fais tout le temps. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu parles en langue sans être passé par Gilgal, ce parler en langue même peut te détruire. Tu commences à prophétiser sans passer par Gilgal. C'est comme les gens, ils commencent à ils ouvrent la bouche et puis le diable qui parle. Dans une église, quelqu'un a dit, vous êtes des chiens. Le pasteur s'est levé, il lui a dit, c'est toi le chien. Parce que le pasteur a eu le discernement qu'il n'est pas passé par Gilgal. Il n'a pas la circoncision du cœur. Il a un problème avec un groupe de personnes et il veut régler ça avec la prophétie. Ah! Où il est informé d'une situation,
il vient à l'église. Est-ce qu'il parle Dieu? Vous comprenez, non? Comment est-ce que l'onction peut tuer quelqu'un? L'onction sans le caractère, l'onction sans la circoncision du cœur, ça peut tuer quelqu'un. Et beaucoup de jeunes sont arrêtés dans leur élan à cause du fait qu'ils refusent de passer par Gilgal. Ils veulent traverser Gilgal alors que Gilgal est un campement. Alléluia. On ne traverse pas Gilgal comme ça. On campe à Gilgal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous sommes dans un temps de fast-food et on a des chrétiens fast-food. Fast-food. Ou des cafés, dans les stations maintenant, tu veux un café, tu touches un bouton, la tasse sort, la cuillerée, le café, le lait, le sucre, tout, tu bois en même temps. Nous sommes des chrétiens comme ça. On ne veut plus mettre du temps à Gilgal. Parce qu'on n'aime pas ce qui se passe à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, là, Dieu est en train de retailler. Et il va le faire à travers l'homme de Dieu. Il va le faire à travers les anciens. Il va le faire à travers les diacres. Il va le faire à travers les respos. Il va le faire même à travers des nouveaux convertis qui vont ne te comprendre pas t'insulter. Et tu dois le supporter. Parce qu'on a insulté Jésus, il l'a supporté. Passe par Gilgal. Tu veux monter? Passe par Gilgal, c'est le point de départ. Maintenant, beaucoup ont sauté Gilgal. Ils ont atterri à Bethel. Et ils sont là. Wow, le Seigneur est vivant. Ils chantent, ils font beaucoup de bruit. Et à un moment donné, whoop, on ne les voit pas. On entend qu'ils ont engrossé une fille. Oui, oui. Ou bien une soeur qui arrive avec beaucoup de chaleur. Pam, pam, pam. Et puis, d'un coup comme ça, on entend qu'il a chuté. Même pas avec un chrétien, avec un païen. Le plus grand païen de son quartier là. Le monsieur de la grosse voiture là. Elle a chuté avec. C'est les gens qui ne veulent pas passer par Gilgal. Ou même quand ils passent par Gilgal, c'est en courant. Ils ne veulent pas mettre du temps à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, tu mets du temps là-bas, Dieu ouvre ton cœur. Il veut voir ce qui est dedans. La Bible dit que Dieu parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur, pas ceux dont les pieds sont beaux, pas ceux dont la tête est bien coiffée, bien coupée. Dieu ne regarde pas ta tête. C'est ton mari qui a besoin de ta tête. Ta femme a besoin de ta tête. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu cherche ton cœur. Ton cœur. Et à Gilgal, le problème du cœur est résolu, est réglé. Le problème est définitivement réglé. Pourvu que tu campes là. Tu campes à Gilgal. Dis à ton voisin. Campe à Gilgal. Bienvenue à Gilgal. Reste à Gilgal jusqu'à ce que Dieu te dit, quitte Gilgal. C'est Dieu qui nous fait bouger d'un niveau à un autre. Cela ne vient pas de nous. C'est Dieu. La promotion vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Si Dieu te dit quitte Gilgal, c'est qu'il veut t'introduire et il veut t'établir à Bethel. Il va préparer Bethel. La Bible dit de Gilgal, elle est arrivée à Bethel. Et quand il arrive à Bethel, les gens qui vivent à Bethel, ils sont prophétiques. Dès qu'ils les ont vus, aïe, 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 les gens de Bethel sont terribles. Alléluia. Il n'y a rien qui se passe. Ils ne sont pas informés. Rien n'arrive à leur pays, à leur famille, sans que Dieu les avertisse. Sans que Dieu ne les communique cela. Dès que les habitants de Bethel, les fidèles de Bethel, les membres de Bethel ont vu, ont aperçu Élie et Élisée, le Saint-Esprit leur a dit, aujourd'hui, Élie sera monté au ciel. Alléluia. Dieu fait monter Élie au ciel aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas possible. Il n'est pas possible, à moins que tu refuses de passer par Gilgal, d'être fidèle à Bethel et ne pas être prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'être fidèle à Bethel et de ne pas être porteur
de vision, porteur de changement, porteur de solution. Tous ceux qui sont ici, dans cette église, et qui ne sont pas porteurs de changement, créateurs d'emploi, ils ne sont pas passés par Gilgal. C'est parce que vous avez refusé de passer par Gilgal. Dès que les fils des prophètes ont vu Élie, les enfants de Bethel ont vu Élie et Élisée. Ils se sont adressés à Élisée. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Voilà le langage que tiennent les enfants de Bethel. Si tu es à Bethel et que tu n'es pas informé des choses qui arrivent, chaque fois les événements te surprennent, chaque fois les choses arrivent, oh, je ne savais pas. Tu n'es pas passé par Gilgal avant d'arriver à Bethel. Dieu ne fait rien sans au préalable révéler cela à ses serviteurs, les prophètes. Sois prophétique ce matin au nom de Jésus. Sois le prophète de ta vie. Je dis bien, sois le prophète de ta vie. Maintenant, on a cette paresse spirituelle. Cette paresse spirituelle d'être le prophète de sa propre vie. On est en train de chercher des prophètes partout. On a un prophète, on est chrétien à Bethel. On a un prophète en Côte d'Ivoire. On a un prophète au Congo. On a un prophète dans le Haut-Ogooué. On a un prophète dans le Kivu. On a une prophétesse dans le Kasaï. On a un prophète à Lomé. Il a un camp de prière là-bas. C'est mon prophète. Alors, et on est là, on perd beaucoup de crédit en appelant ces gens et en recevant que des mensonges. Mensonges. Simplement parce qu'on a la paresse spirituelle d'être le prophète de sa propre vie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Cela peut arriver à d'autres. Cela peut arriver à d'autres, mais pas à vous. J'ai parlé avec une de mes filles au Gabon cette semaine. Elle voulait faire de moi son prophète au Sénégal. Elle avait commencé à recruter plein de gens, des jeunes. Ils leur donnent mon numéro de téléphone. Les gens m'appellent pour que je devienne leur prophète depuis le Sénégal. Je leur ai renvoyé chez eux-mêmes. Je peux vous conseiller, je peux prier pour vous. Mais allez-y voir vos pasteurs et vous-même entrez dans votre chambre. Jeûnez, priez. Je leur ai fait un programme sérieux de jeûne et prière. Avant de sortir de ce programme, s'ils le respectent, ils auront la solution de leur problème. Il faut rendre les chrétiens africains autonomes. Parce que l'Afrique a un problème avec l'autonomie. On ne sait pas être autonome. Nos présidents vont en France quand ils ont des budgets. Tant qu'ils ne sont pas arrivés en France, là, aux États-Unis, il n'y aura rien. Cela doit arrêter. Cela doit cesser. Mais il faudrait que dans le domaine spirituel, qu'il y ait d'abord un changement. Quand on a un projet, on pense d'abord au bailleur de fonds. Au bailleur de fonds. On dit bailleur de fonds. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que tu seras le bailleur de fonds de ta propre vie, de tes propres projets. Tu seras ton propre bailleur de fonds. Ça, c'est quelle histoire, ça? Sois le prophète de ta propre vie. À Bethel, tout le monde est prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde est prophétique. Tous les enfants de Bethel, tout ce monde, tous les gens de Bethel sont sortis de la ville à la rencontre d'Élie et Élisée pour dire à Élisée, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es informé? C'est ça la voix prophétique. Est-ce que tu es informé? Aux nations, est-ce que vous êtes informé? À nos gouvernements, est-ce que vous êtes informé? Au président Macky Sall, est-ce que tu es informé? Hey! C'est de notre responsabilité. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que tu es au courant que Élie sera enlevé aujourd'hui?
Ah, mais je bénis Dieu. Parce que ceux qui quittent Gilgal, même s'ils ne sont pas encore arrêtés à Bethel, mais ils sont aussi prophétiques. Alléluia. Et Élisée a dit, taisez-vous. Calmez-vous, vous les gens de Bethel. Calmez-vous. Moi aussi, je suis prophétique. Et c'est ainsi que je déclare, même à ceux qui nous visitent aujourd'hui, recevez le prophétique au nom de Jésus. Car vous n'avez pas besoin de durer dans cette église. Vous n'avez même pas besoin de faire un jour, deux cultes, trois cultes avant d'être prophétique. Élisée était déjà prophétique. Il dit, taisez-vous. Je le sais. Dis à ton voisin, moi, je suis informé. Je le sais. Je le sais. Ce qui va arriver à Élie, je le sais. Je suis au courant. Je ne suis pas ignorant. Alléluia. J'aime les disciples d'Emmaüs. Ils ont dit à Jésus, alors qu'il marchait avec eux, es-tu le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que pour eux, tout le monde devait être informé des événements qui sont survenus à Jérusalem. Je veux avoir l'information. Reçois l'information au nom de Jésus. L'information divine. Reçois-la. Dis, je reçois cette information. L'information qui va guider ma vie. Le message qui va guider ma vie, la vie de ma famille, la création de mes entreprises. Je la reçois. Je reçois cette information au nom de Jésus. Eh oui. Ce matin, nous allons décréter. Je vous invite à vous mettre debout. Aïe, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que les choses doivent changer. Gilgal, c'est le point de départ. Ce n'est pas le point final. C'est le point de départ. Gilgal, c'est mon campement spirituel. C'est le lieu de mon établissement divin. C'est mon sanctuaire, Gilgal. Gilgal, c'est mon quartier général. Gilgal, c'est le lieu de mon rassemblement, de notre rassemblement. Gilgal, à Gilgal, tu inaugures ton établissement divin. À Gilgal, tu cesses de bricoler avec Dieu, car on ne bricole pas avec Dieu. Le bricolage ne marche pas avec Dieu. À Gilgal, le problème de mon cœur est définitivement réglé, car je suis circoncis. Dans Exode chapitre 4, le verset 25, la Bible nous dit, nous rapporte l'histoire. Lorsque Moïse, Dieu cherchait à envoyer Moïse. Dieu a cherché à convaincre Moïse par tous les moyens. Mais Moïse ne se sentait pas préparé, prêt et qualifié pour accomplir une telle mission. Mais je bénis Dieu pour la femme que Dieu avait donnée à Moïse, Séphora. Séphora. La Bible nous dit, alors que Dieu voulait tuer Moïse, parce que Moïse résistait à Dieu, Dieu voulait le tuer. Séphora a compris le mystère de Gilgal. Ce qui se passe à Gilgal. La Bible nous dit, Séphora a pris une pierre tranchante. Elle a circoncis son fils. Elle a pris la partie qu'elle a coupée. Elle a jeté entre les pieds de Moïse. Et Dieu s'éloigna de Moïse. Alléluia. Alléluia. Le mystère de la circoncision et de l'alliance.
Je prie pour toutes les femmes de Bethel. Pour toutes les filles de Bethel. Que Dieu vous donne ce matin l'onction et la révélation de Séphora. Séphora, une femme prophétique. Je prie pour tous les jeunes garçons. Vous n'êtes pas encore mariés ce matin. Vous avez envie de vous marier. Je prie Dieu et je déclare que Dieu vous donne des Séphora qui vous délivrent de la mort. N'eût été Séphora, Moïse mourrait le même jour. Moïse ne serait jamais le libérateur d'Israël. Car il résistait à Dieu, il donnait des excuses qui ne sont pas valables et Dieu avait résolu de le tuer. Mais à cause de Séphora, Moïse eut la vie sauve. Et je prie pour toutes les femmes, toutes les filles, que Dieu donne l'onction de Séphora. La révélation qu'il avait accordée à Séphora, qu'il vous l'accorde, afin que vous sauviez vos Moïse de la mort. À tous les jeunes garçons célibataires, je prie et je déclare que Dieu vous donne des Séphora. Que Dieu vous donne des Séphora. Non, tu n'as pas dit amen fort. Levons nos mains. Parce que quand la mort va menacer, à travers n'importe quel moyen, tu auras une Séphora à côté de toi. Alléluia. Je vais demander au diacre Lukusa de venir prier pour cela. Il va venir prier pour ce sujet. En priant pour les femmes et les filles, afin qu'elles reçoivent l'onction de Séphora. Mais en priant pour les hommes et les frères, afin que Dieu transforme les épouses en Séphora, à des épouses prophétiques, et donne les jeunes garçons des femmes prophétiques, des femmes à la dimension de Séphora. On lève nos mains et le diacre va prier pour ce sujet. Éternel Père de gloire et Dieu d'amour, nous te rendons gloire ce matin pour, ô Éternel Dieu, cette rencontre merveilleuse que tu nous accordes avec toi. Je m'en vais prier, Éternel Dieu de gloire, et déclarer, Seigneur, ô Dieu, que ton peuple est un peuple de révélation au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire et Dieu d'amour, je m'en vais, Éternel Dieu de gloire, déclarer, Seigneur, et décréter que les femmes de Bethel, que les filles de Bethel, Éternel Dieu, sont des filles, Éternel Dieu de gloire, qui dorment sur ta poitrine, Éternel Dieu, afin de recevoir révélation de ta part, ô Dieu de gloire, et de sauver leur foyer au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, je déclare, Éternel Père de gloire, que maintenant, Seigneur, les yeux, les oreilles, Éternel Dieu de gloire, de toutes les femmes, Seigneur, ô Dieu de gloire, de cette assemblée, s'ouvrent, Éternel Dieu de gloire, afin de recevoir les mystères de ta part, ô Dieu, et de communiquer la vie à leur maison, au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel Dieu, parce que tu touches les cœurs des hommes. Contrairement à Moïse, Éternel Dieu de gloire, qui résistait devant toi, ô Dieu, toi qui l'as créé, Seigneur, toi qui savais pourquoi tu l'as créé, ô Dieu, il a voulu te résister, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, déclarer que tous les hommes de Bethel ont au cœur humble, Éternel Dieu de gloire, de te reconnaître, toi, comme leur créateur, celui qui sait, ô Dieu de gloire, ce à quoi il les a destinés, au nom de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, de nous faire cette grâce, afin, Seigneur, ô Dieu, que cette assemblée soit une assemblée d'hommes, une assemblée de femmes, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui n'aiment pas le sommeil, Éternel Dieu,
mais qui s'active, éternel Dieu de gloire, à rechercher davantage ta face, ô Dieu, dans les moindres détails de leur vie, ô Dieu, afin, Seigneur, ô Dieu, de sortir, ô Dieu, de l'opprobre, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, Seigneur, ce matin, nous déclarons que nous sommes sauvés parce que tu répands sur nous, éternel Dieu, le sang de ton Fils, ô Père éternel Dieu, qui circoncit nos cœurs, éternel Père, qui nous rend sensibles à ta pensée, ô Dieu, qui fait de nous des hommes différents, ô éternel Dieu, et qui désormais, Seigneur, ô Dieu, vont marcher, ô Dieu de gloire, à ta lumière, à toi. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons faire une deuxième prière, la dernière prière. Nous allons prier. Je vais demander au Jacques Dibi de venir prier pour cela. Parce qu'à Gilgal, l'opprobre est roulé. La honte est roulée. Le complexe d'infériorité. C'est des choses qui sont liées à l'esclavage du péché, mais à l'esclavage dans le sens physique. À Gilgal, on est guéri de toutes les maladies d'Égypte. On est guéri quand on arrive à Gilgal, on vient avec des maladies, des problèmes spirituels que nous avons pris en Égypte. De la sorcellerie et toutes sortes de malédictions, la honte, la souffrance, le mauvais caractère, les mauvaises habitudes et la sorcellerie, que cela soit roulé au nom de Jésus. Pour nous, que cela soit roulé au nom de Jésus. Le Jacques va prier pour cela. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Jacob était sur le point de mourir et qu'il devait bénir les deux enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm, la Bible nous dit qu'il a croisé prophétiquement ses mains pour les bénir. Lorsqu'il a croisé ses mains, il faisait référence à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Ces deux bouts de bois croisés avant de les bénir. Et la Bible dit, Manassé signifie Dieu m'a fait oublier ma honte, mon passé. Éphraïm signifie fécondité. Et tu ne peux pas arriver à Éphraïm si tu n'es pas passé par Manassé. Et c'est Gilgal. Tu ne peux pas arriver à Bethel si tu n'es pas passé par Gilgal. Là où Dieu roule ton épreuve, là où il te fait oublier le passé. Certains ont vécu le viol et des choses terribles dans leur famille. Mais ce matin, alors que nous introduisons l'année de l'établissement divin, Dieu roule ce passé au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas prier, afin que ce tapis sale soit roulé au nom de Jésus ce matin. Que nous repartons sur de nouvelles bases, une nouvelle vie. Gilgal, c'est le commencement, c'est le recommencement. Tout devient nouveau. Prie pour nous. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'amener à regarder le nom de Jésus qui est plus grand que la maladie, que l'opprobre que tu as vécu en Égypte, que la malédiction qui s'est attachée à ta vie. C'est pourquoi j'aimerais qu'avec le groupe de louanges, avant de déclarer des paroles, que nous puissions déclarer ensemble que le nom de Jésus est grand, que son nom est infiniment grand. Ensemble, si on peut prendre ce cantique, ce chant, nous proclamons ce chant et nous allons proclamer que l'opprobre qui nous a suivis jusque-là ne tient plus. Parce que le nom de Jésus s'est établi sur nos vies. Chante avec moi ce chant, s'il te plaît. Déclare ce chant comme une parole prophétique. Et à côté de ce nom, à côté de ce nom qui est grand, imagine un peu l'opprobre qui est tout petit.
Imagine la malédiction qui est toute petite. Regarde comment le grand nom de Jésus vient régler le problème de ton opprobre, de ta difficulté, de la malédiction qui t'a toujours subi. Proclame et déclare ce chant comme une prière. Jésus au-dessus, le nom de Jésus qui est grand. On reprend une fois de plus. Avec toi, je vois l'opprobre qui est en train de tomber, je vois la malédiction qui est en train de chuter, et je déclare ce matin, par le puissant et grand nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la malédiction tombe maintenant, que l'opprobre qui s'est attaché à toi, l'opprobre qui t'a suivi jusque-là, dans le nom de Jésus, tombe, tombe, tombe. Tu es libre ce matin. Tu es libéré ce matin. Parce que Jésus rentre en scène. Le nom de Jésus prend position dans le combat, dans la bataille. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Parce qu'il y a un nom au-dessus de tout nom qui s'élève ce matin et qui prend fait cause pour toi. Qui prend fait cause pour toi. La malédiction de l'Égypte ne te suivra plus. Tu es libéré ce matin dans le nom de Jésus. Tu es libéré ce matin dans le nom de Jésus. Tu es séparé de la malédiction ce matin dans le nom de Jésus. Tu commences à recevoir cette force. Parce que c'est une onction qui est en train de descendre sur toi. Cette malédiction, c'est la puissance de Dieu qui vient la briser maintenant. Je déclare, je décrète que jusqu'aujourd'hui, tout ce qui t'a emporté, tout ce qui t'a tiré en arrière, tout ce qui t'a enfoncé, parce que le nom de Jésus est grand, le nom de Jésus vient briser le joug. Viens briser le joug de la malédiction. Viens briser le joug de l'infertilité. Viens briser le joug de la maladie. À compter de cet instant, tu es libre. Les chaînes tombent. Les chaînes de la malédiction tombent. Les chaînes de l'opprobre tombent. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre par le puissant nom de Jésus. Tu es libre par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre par le nom de Jésus. Libéré. Tu es libéré par le nom de Jésus. Libéré. La malédiction est brisée. Brisé. Un cycle de la malédiction s'arrête sur toi. À compter de cet instant, ce un nouveau cycle commence avec toi. L'ancien cycle est arrêté. Je le décrète au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Le nom de Jésus se te plonge dans un nouveau cycle. Dans une nouvelle grâce. Tout ce qui était passé est passé à compter d'aujourd'hui. Les gens te regarderont et ne te reconnaîtront pas. Parce que la malédiction a changé. Dieu a changé ta malédiction en bénédiction. La malédiction de l'Égypte reste en Égypte. Parce que tu as foulé les pieds à Gilgal. Tu es sous le couvert de la grâce de Dieu. Tu es sous le couvert d'une nouvelle onction. Tu es sous le couvert d'une nouvelle grâce. Je le décrète au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dans ton infertilité, je décrète que tu es devenu fertile. Je décrète que la maladie qui t'a cloué à l'instant te libère parce qu'elle est occasionnée par ton esprit. Et l'esprit est brisé et vaincu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort la victoire de Jésus sur ta vie?